Maintenant, une femme de Lévis qui a été accusée de fraude, Simon, elle se faisait passer pour une psychologue. Et oui, elle pourrait être accusée donc d'usurpation, de supposition de personne et de fraude, puisque effectivement, elle se faisait passer pour une psychologue. Elle approchait des familles de son quartier et leur offrait des services à 150 $ de l'heure, donc des consultations rémunérées auprès des enfants. Donc, Mélanie Eugénie Chisolme, c'est le nom de la femme que vous voyez à l'écran, 44 ans, elle a sévi de juin 2014 à juin 2015. Ce sont des parents présumément floués qui ont décidé de vérifier l'identité de cette femme-là auprès de l'Ordre des psychologues du Québec pour découvrir que finalement, elle ne détenait aucune compétences dans le domaine. Il y a même une présumée victime qui affirme que son fils et son beau-fils ont été traités par cette femme-là. Elle aurait fait arrêter la médication d'un des deux jeunes qui était dépressif et aurait diagnostiqué des problèmes d'apprentissage à l'autre jeune qui, lui, finalement, avait des problèmes neurologiques. Donc, ça s'est avéré sans conséquence, mais effectivement, ça aurait pu être plus grave que ça. Donc, il y a l'Ordre des psychologues du Québec qui poursuit aussi cette femme-là sous 13 chefs d'accusation. L'Ordre qui affirme que son comportement aurait pu avoir de graves conséquences sur les victimes qu'elle a traitées. Donc, le procès de l'Ordre va débuter le 23 août prochain et la femme a été remise en liberté en attente de la suite des procédures. Merci. Merci. Au revoir.